Le poste de douane quitte Bitou pour le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé. Les populations ne sont pas contentes. Elles s'inquiètent de leur sort après la mise en application de ce projet de l'UEMOA, mais il reste que le déménagement va porter un coup dur à la commune de Bitou. Et depuis dimanche, des manifestations sont organisées. Reportage Badaniel Kambou. L'information a été difficilement accueillie par les populations de Bitou. À partir du 31 mai, les opérations de dédouanement qui se faisaient à Bitou se feront désormais à Saint-Quincé, au niveau du poste juxtaposé de douane, pour ce qui est de dédouanement en provenance du Togo. Cette décision, qui n'est pas sans conséquence sur les nombreuses activités économiques installées autour de la douane de Bitou, est la raison de ce mouvement d'humeur entamé depuis dimanche. Tout ce monde est venu à cause de cette douane. N'importe qui vient à Bitou, il rentre dans cette douane, dans la cour, il gagne son pain et son vin. Donc si ce départ réellement aboutisse, il y aura beaucoup de chômage. Nous demandons aux autorités de laisser la douane continuer comme elle était créée. La douane de Bitou serait le poumon économique de Bitou, au dire de certains responsables et notables approchés. Bitou sans la douane, on a tué Bitou. On a tué Bitou. Mais uniquement grâce à la douane, tout le monde est à l'aise à Bitou, parce qu'ils ont tout. C'est une nouvelle vraiment qui a bouleversé tout le monde. La perte que la commune va subir pendant une seule année, ça fait déjà 59 millions et quelques. Et avec quoi nous allons pouvoir compenser ça? Parmi les acteurs touchés par cette mesure figurent les déclarants en douane communément appelés transitaires, une centaine exerçant actuellement au niveau du bureau de douane de Bitou. Que vont-ils devenir? Voici la réponse des premiers responsables de la douane sur place. Il y a actuellement 27 maisons de transit qui disposent d'agréments ou d'extensions d'agréments pour exercer à Saint-Cancé. Ceux qui ne se sont pas pris à temps, naturellement, n'ayant pas cru certainement à la mise en œuvre de cette opérationnalisation, sont certainement en train en tout cas de prendre des dispositions utiles pour pouvoir en tout cas bénéficier de cet agrément ou d'extension d'agrément. Dans le cahier des doléances remis au préfet de Bitou figure le statut du bureau de douane de Bitou. Le bureau de douane de Bitou demeure. Vous savez que nous avons un poste annexe, le poste annexe de Kanyiré-Sangabouli, qui est à la frontière avec le Ghana, entre le Burkina et le Ghana. Et les camions qui viennent du Ghana et qui passent par ce poste annexe continueront à venir au bureau de douane de Bitou pour être pris en charge pour les formalités de transit. Grâce à l'activité commerciale liée à la présence de la douane, la commune de Bitou fait partie des quelques communes urbaines qui ne sont pas des chefs-lieux de province. Cette dépendance pourrait expliquer cette réaction des populations de Bitou.
Du côté des taximens, on assiste à un retour à la sérénité après la grave crise qui a divisé récemment la corporation. Sous la médiation entreprise par leur président d'honneur, M. Dayama Sébastien, les partis en conflit ont décidé donc d'enterrer la hache de guerre. Reportage de Zalissa Sanfou. Débat passionné, teinté parfois de nervosité. C'est l'ambiance qui a prévalu à ce début d'assises pour trouver une solution à la crise qui oppose certains taximens au bureau du syndicat national des taximens. 4 heures d'horloge durant, le médiateur a écouté attentivement. Il a aussi noté les plaintes et accusations de tous les protagonistes. Après quoi, il est passé à l'appréciation des faits. Toute chose qui lui a permis de lever les malentendus et d'obtenir ce geste que l'on pourrait qualifier ici de début de solution. Après cette chaleureuse poignée de main, ils se sont tous engagés à poursuivre les négociations à la grande satisfaction du médiateur. Vous avez constaté que les deux parties se sont véritablement pardonnées. Et nous avons donc décidé de rencontrer le bureau actuel, le bureau donc contesté actuel, avec lequel nous allons donc décider des options à prendre, qui, de mon sens et de mon avis, tend déjà, en tout cas, vers un consensus durable. En rappel, c'était le 12 mai dernier que certains chauffeurs de taxi ont garé leur véhicule pour réclamer la démission des membres du bureau de leur syndicat. Ils accusent ces derniers de malversation et de détournement de fonds. Mais, après cette journée, ils se disent tous prêts à respecter les propositions qui seront faites par le médiateur. Politique à présent, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP section Yatanga sonde la mobilisation de ses militants à la base. Des échanges se sont tenus ce dimanche sur la vie du parti et sur des questions majeures de l'actualité, notamment le référendum et le Sénat. Adama Ouédraogo nous fait le point. Le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès section du Yatanga, était en rencontre entre le bureau provincial et les comités de base CDP des 37 villages et les 15 secteurs de la ville de Wayuguya. Objectif, échanger autour des idéaux du parti et recueillir les préoccupations des militants pour sa bonne marche. Notre appel au président du FASO pour qu'il use donc de ses prérogatives constitutionnelles en tant que garant de la constitution, en tant que premier magistrat de notre pays, qu'il appelle donc le peuple burkinabé, le corps électoral, au référendum, pour permettre donc la révision de l'article 37, de sorte donc à permettre l'effectivité de cette volonté populaire donc manifestée par-ci par-là. Bien que cette rencontre soit circonscrite au comité de base, elle a drainé du monde. Des militants sortis pour témoigner leur attachement et leur soutien au président du FASO. Ils ont par ailleurs réclamé la candidature de Blaise Compaoré à l'élection présidentielle de 2015. Nous sommes partis donc vers les populations pour leur dire ce que nous avons pris comme engagement, les résolutions de la première session ordinaire donc du Conseil national. Mais quand nous sommes arrivés, les populations nous ont accueillis avec déjà ces résolutions-là. En disant, mais qu'est-ce que vous attendez pour dire au président Blaise Compaoré d'appeler le peuple au référendum pour la modification de l'article 37. Les populations nous ont appelés vers la mise en place du Sénat parce que c'est constitutionnellement inscrit et que nous devons mettre en place ce Sénat pour que justement des voix plurielles puissent s'élever au niveau donc des deux chambres du Parlement. Un sentiment général de satisfaction quant à la mobilisation de ce jour, quant à la grande mobilisation que nous avons vue, bien sûr maintenant, dans les 13 communes de la province du Yatanga. Cette rencontre était l'occasion pour Assimi Kwanda, secrétaire exécutif du parti majoritaire, de traduire les salutations du président du FASO à la population du Yatanga, restée mobilisée pour l'intérêt du parti. Il a ensuite invité la population à sortir massivement pour l'enrôlement biométrique. La caravane du civisme est à Wayuya dans le nord pour sensibiliser la population à adopter des comportements responsables. Un village de la citoyenneté est donc dressé pour diffuser des messages sur le sens du civisme. Reportage Christophe Ilboudo. Les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP du Kuritenga sont en alerte maximum. Les 9 communes ont reçu la délégation du secrétariat exécutif national. Partout, le message est le même. En démocratie, il ne s'agit pas de
d'extirper, de prendre des parties de la Constitution qui vous arrange et l'appliquer. Ça, ça ne va pas. Je pense qu'une Constitution est faite pour être appliquée dans son entièreté. Et je pense que vous avez vu, la salle est comble. On me dit que dans les 8 autres communes, le CDP fait sa comble. Et cela se justifie. Parce que déjà, vous avez vu, quand le chef de l'État est sorti dans notre province, en allant à Fada, il a fait une halte à Coupéla. Et vous avez vu, le monde est sorti pour l'accueillir, pour montrer qu'il est populaire dans notre province, qu'il est encore populaire au Burkina Faso, et qu'il faut laisser le peuple souverain du Burkina Faso se prononcer par rapport à certains articles de notre Constitution. Et l'un des messages forts pour nous, en allant donc vers 2015, c'est d'abord mobiliser donc nos militants sur la question donc de la révision de l'article 37. Nous avons profité de cette occasion-là pour dire également à nos militants de tout faire effectivement, et cela c'est un leitmotiv sur lequel nous sommes revenus très fréquemment, que rien ne sert de nous rassembler chaque fois pour dire que nous sommes d'accord pour ceci, pour cela, et qu'on ne peut pas, qu'on ne puisse pas agir au moment donné. Donc nous allons suivre aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de la période donnée pour l'établissement des cartes, pour qu'effectivement tous ceux qui sont en âge d'être inscrits puissent le faire. Et nous avons interpellé les différentes structures et les chefs de village qui étaient là avec nous de faire de telle sorte que l'information soit passée. Pour les structures de base et les militants de façon générale, le message est passé. Boutenga a parfaitement compris le message qui lui a été délivré dans le sens de l'exécution des tâches qui avaient été données par les différents congrès au CDP et que Boutenga a été satisfait des résultats qui lui ont été présentés. Et Boutenga a dit que pour ce qui concerne les perspectives que le bureau exécutif, le bureau politique national a élaboré et que le Conseil national a validé, que pour ces perspectives-là, de ne même pas nous faire un problème. Nous sommes prêts pour aller au référendum pour sauver la paix au Burkina. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, entend inviter leurs militants et présidents en exercice à appeler le peuple au référendum lors de leur prochain congrès. Il ne fallait pas sauter Coupéla où le ministre Salif Kabore a rendu compte des dernières conclusions du Conseil national du CDP. Retour à Wayguia pour parler de l'arrivée de la caravane du civisme pour sensibiliser les populations à adopter des comportements responsables. Reportage signé de Christophe Ilboudo. La caravane du civisme lancée à Kourougou dans le Boulkiamdé le 24 avril dernier a déposé ses valises à Wayguia dans la région du Nord ce vendredi 16 mai. Durant 72 heures, plusieurs activités ont été menées au profit des couches sociales dont des panels et la réalisation d'un village du bon citoyen. Pour que la promotion du civisme soit une réalité au niveau donc de notre pays. Nous pensons que c'est dans ce cadre que cette caravane a été initiée afin d'animer des thématiques au niveau donc de toutes nos régions afin que le civisme soit une réalité au niveau donc de notre pays. Je suis convaincu que à travers cette caravane, la population sera véritablement sensibilisée sur la nécessité de travailler à avoir un comportement citoyen. Cette initiative est appréciée à sa juste valeur par les autorités communales. Et nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre. Parce que si nous avons été retenus comme coparrains pour cette activité, c'est dire aussi que nous devons accompagner toutes ces activités-là. Et nous devons aussi aider à sensibiliser et à faire en sorte que le civisme soit une réalité. Le cross populaire a été l'une des activités phares de cette caravane, cross auquel ont pris part les autorités régionales pour soutenir le ministère en charge des droits humains dans la promotion de la citoyenneté à travers la notion « un esprit sain dans un corps sain ». Nous avons organisé ce cross ce matin pour permettre effectivement aux forces vives de la région, à toutes les couches sociales, de se frotter fraternellement. Et je crois que ça entre dans le cadre du civisme. Vous savez que le corps lui-même a besoin d'être éduqué moralement, physiquement, pour affronter les vicissitudes de la vie. Après l'étape du Nord, c'est au tour de la région du Sud-Ouest d'accueillir la caravane du civisme du 23 au 25 mai prochain.
après un passage au village du bon citoyen, les injures babillot devraient disparaître de la bouche des Yassé, mais encore faut-il qu'ils s'y rendent. Attendons de voir. Il faut savoir sécuriser les noms du domaine burkina.bf. On l'appelle le domaine Name System Security ou plus simplement DNSSEC. Son fonctionnement ainsi que son importance dans l'écosystème Internet ont été présentés et décortiqués par les experts de ICANN. Nathalie Sawadogo-Nabaloum nous en parle. Le nom de domaine, c'est une identité qui vous permet d'être présent sur Internet. Il est reconnu à travers le monde entier pour manifester votre présence sur Internet. Par exemple, rtb.bf, arcep.bf, cotecna.com, etc. Aujourd'hui, le phénomène de piratage des données sur Internet est très récurrent dans le monde et le Burkina Faso n'est pas épargné. Des individus interceptent le processus de recherche d'une personne ou d'un site sur Internet et les détournent à leur profit. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications, registre officiel du .bf, a initié ce séminaire au profit des acteurs du domaine afin de les sensibiliser à adopter le système DNS pour la sécurisation des échanges sur Internet. L'objectif de la rencontre est de permettre, en fait, à tous ceux qui gèrent des noms de domaine, de leur apprendre comment sécuriser le nom de domaine afin d'éviter que des pirates prennent contrôle de votre nom de domaine, de votre site et en font tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent prendre contrôle de votre site et, afin de recueillir des informations qui les intéressent. Pour y arriver, l'ARCEP a sollicité le concours d'un consultant de l'ICANN. Nous allons sensibiliser tous les acteurs. Quels sont les problèmes que le nommage a sur Internet et aussi quelles sont les opportunités d'affaires. Demain, ce sera une journée technique pour montrer aux techniciens, aux ingénieurs, comment ils doivent, au sein de leur entreprise, au sein de sur leur infrastructure, mettre en œuvre les solutions de DNSSEC. Le troisième jour, nous allons uniquement travailler avec ARCEP et l'ONATEL, qui sont aujourd'hui les deux entités qui s'occupent de la gestion du .bf. L'ICANN coordonne les identifiants uniques à l'échelle internationale. Le secrétaire général du Premier ministère, en ouvrant la cérémonie, a exhorté les participants venus des institutions publiques et privées à mieux cerner cette problématique de sécurisation du DNS afin de protéger l'Internet burkinabé. La journée des musées a été célébrée ce dimanche à Bobo-Dioulasso sous le thème « Les liens créés par les collections des musées ». Une exposition d'objets culturels initiée par l'Association du patrimoine artistique et culturel a permis à différentes communautés de redécouvrir leur mémoire et leur histoire ainsi que celle des autres. Reportage signé de Moumouni Barou. Journée internationale des musées. Cet événement est fêté ici à Bobo-Dioulasso sous le thème « Les liens créés par les collections des musées ». Ainsi, du musée de la musique, en passant par le musée communal à Sokoussirassano, plusieurs objets culturels y sont exposés. Il s'agit là de renforcer la place fondamentale des musées dans la société burkinabé et de sensibiliser le public que les valeurs culturelles se trouvent dans ce lieu de conservation. Les musées, comme vous le savez, sont des institutions qui conservent le patrimoine culturel. Au-delà de la conservation, une partie de promotion, de diffusion de ce patrimoine-là. C'est pour montrer vraiment le côté vivant vraiment de notre musée, pour montrer qu'il y a un rapport, pour montrer que déjà, quand on parle du patrimoine matériel et immatériel, elle doit rester vivante, elle doit être en lien et en contact avec ces communautés, ces ethnies. Au-delà de l'aspect exposition muséale, cette manifestation est aussi un cadre de réflexion pour mieux organiser les patrimoines culturels. Aujourd'hui, c'est notre identité culturelle et avec l'organisation de la biennale par le gouvernement du Burkina Faso à Bobo-Dioulasso, avec des initiatives pareilles, il fallait être à côté de ces promoteurs pour les accompagner, en tout cas pour qu'ils ne disparaissent à jamais en tout ce qui est aspect culturel au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso. La forte mobilisation dont témoigne le nombre très important des communautés permet de remplir les objectifs de cette rencontre avec en ligne de mire la recherche de la cohésion sociale. Alors, si toutes les communautés se retrouvent sur un même espace,
et surtout à travers le mécanisme de la parenté à plaisanterie, ben, c'est le trait d'union entre les communautés et ça encourage, ça renforce la cohésion sociale. Un objectif atteint pour les promoteurs de ces journées culturelles, mais pour encore mieux réussir l'événement, les éditions à venir. Ils comptent beaucoup sur l'aide, surtout sur le plan technique, conseil et financier. À notre ministère de tutelle, s'il peut prendre vraiment des dispositifs de nous accompagner, parce que vraiment, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. En tant que le premier responsable, en tant que l'initiateur, je pense que ce sont nos propres ressources, nous sont nos propres actions. Nous arrivons à réaliser tout ce que vous avez constaté. Les communautés parmi lesquelles les Bobos, les Samo, les Moussi, les Lobi, les Gouroussi et les Toussiens ne sont pas venus les mains vides. Elles ont voulu présenter au public les différents mets traditionnels, entre autres les pampara et des boissons traditionnelles comme le dolo et le bangui. La Journée internationale des musées, célébrée depuis 1977, est l'occasion pour les professionnels des musées d'aller à la rencontre du grand public et de le sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la société et de son développement. Mais le manque d'entretien et le défi auquel le musée des civilisations du sud-ouest du Burkina fait face, au point que sa survie et celle des objets de la civilisation Lobi qui l'abrite est menacée. Un musée en difficulté présenté. C'est un dossier présenté par Sébastien Zongo. Le musée des civilisations du sud-ouest, ou musée du Poli, appelle à l'aide. Les traces du manque d'entretien menacent le bâtiment en banco, héritier de l'époque coloniale. Chauves-souris et autres termites ont même trouvé refuge dans les plafonds. Dans la réserve, des pièces témoins de l'histoire des sept groupes ethniques du peuple Lobi sont aussi en danger. Vous voyez comment les objets sont agités, même le sol. C'est pas normal. Dans un musée, tous les objets doivent être dans des étagères comme ça. À ce décor s'ajoute le contexte ouest-africain actuel, défavorable à l'épanouissement du tourisme et le non-renouvellement de l'exposition qui attire de moins en moins de visiteurs. Quand les touristes viennent voir, ils disent que bon, eux, ils ont vu ça plusieurs fois, donc ça ne les motive plus. Quand ils vont, ils expliquent ça aux autres, ça ne les motive pas, donc il n'y a pas de touristes. Les gens sont informés de cette vallée, la vallée de ces musées. Mais au fur et à mesure, les gens se découragent. On parle tant de ces musées sur le plan international, mais quand ils arrivent ici, ils disent non, ce n'est pas le même, c'est faux. Ce que nous avons vu en 90, c'est pas ça. Oh, c'est ça. Malgré tout, le musée des civilisations du Sud-Ouest continue, tant bien que mal, d'enregistrer des entrées financières. Les recettes de 2013, on a eu 1 388 000 et quelques l'année. Par rapport aux années antérieures, et les recettes de 2009, par exemple, on avait plus de 3 millions. Ces fonds-là sont reversés au trésor et au compte de la commune. Mais nous vivons des difficultés. Un problème de transfert de ressources serait à l'origine de cette situation. On ne sait pas si c'est le ministère qui doit s'occuper de ce musée ou c'est la commune, puisque on nous dit que ce musée a été transféré à la commune. Mais jusqu'à aujourd'hui, le musée n'a pas reçu un fonds de fonctionnement. En cas de problème, on ne sait pas où aller. Quand on va à la mairie, bon, eux, ils disent qu'ils ne reçoivent rien. Bon, au ministère, on ne sait pas, il y a la DR qui est là. Bon, on ne sait pas où s'adresser. Beaucoup de démarches. On a fait hier, si c'est le papier, on a écrit. On est là d'attendre. Bon, en attendant, on ne sait pas si ça va devenir. SOS est donc lancé pour appeler à sauver ce patrimoine culturel, cette œuvre de la Française Madeleine Père, inaugurée depuis 24 ans. Pluie de mots, comme pour dire la pluie, ça m'a plu, une histoire de jeu de mots et de poésie, un art dans lequel excellent les slameurs. Pluie de mots, c'est un événement attendu la semaine prochaine. Les grandes articulations de ce festival nous sont détaillées ici par Zié Diarra et Yolande Lompo.
Plusieurs slameurs africains et de la diaspora française effectueront le déplacement au Burkina Faso pour la première édition du festival de slam dénommé Pluie de mots. Pluie de mots est un festival qui est appelé à réunir les fils d'Afrique, hein, qui de la diaspora et du monde entier autour d'une situation, d'un thème qui est la paix. La paix d'abord ici et la paix en Afrique, la paix dans le monde. Et aussi voir comment faire pour que l'art oratoire, le slam, puisse circuler librement à travers le continent, que le slam africain puisse prendre son envol. Nous avons voulu cette première conférence de presse pour appeler l'ensemble des sponsors, pour appeler l'ensemble des partenaires, pour appeler l'ensemble des personnalités qui peuvent vraiment accompagner cette initiative pour qu'elle puisse aboutir et vraiment porter haut le flambeau de la paix et de la cohésion sociale. Atelier de formation en art oratoire, village du festival, soirée de slam et concert géant de slam seront entre autres les activités de ce grand festival inédit. Le contenu du festival, sous le signe de la paix, c'est des thèmes qui me tiennent à cœur, la solidarité, la tolérance, c'est vraiment ces thèmes qui me tiennent à cœur, puis aussi la conscientisation de la jeunesse burkinabé. Les organisateurs du festival Pluie de mots accordent une place prépondérante à la paix, d'où le thème Slam, art urbain au service de la paix, du civisme et du développement en Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la RTB. Présidence.